down there and kill you, love. Pas facile contre le vent. J'ai pas mis le micro. J'ai pas mis le micro exprès parce qu'il y a trop de vent. J'ai vu la masse. Aïe aïe aïe. Oh, j'ai pas mis le micro exprès parce qu'avec le vent, on entend certainement que le vent. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, madame? Écoute, moi je vais boire mon café, manger un bout et ensuite je vais aller au bureau de poste. Donc on saura dans la journée si on peut ou pas. On saura à la fin de la matinée, ouais. Moi, ouais, ouais. Ouais, ça va de la matinée, c'est bien. Voilà, pour Est-ce savoir. Elle veut pas sortir. Elle veut pas sortir avec le harnais? Ouais, bon, tant pis pour elle, hein. Purée, mais il s'est vachement prendre les contre toi, là. Ben, il y aurait pas de place ailleurs. Non. Ça, j'ai rien dit, ça. Ouais. Bon, ça m'entraîne un peu à parler espagnol. Mais il y a beaucoup de monde qui est arrivé entre hier soir et la nuit dernière, il y a foule là. Ouais. Ah, puis il y a des petites folles à moi. Non, il n'y a pas assez. Je pense qu'il s'est repéré à la lumière et il est venu vers ma lumière. Non. Il a vu une lumière, il est venu. Bon, il m'a indiqué où étaient les poubelles déjà. C'est déjà bien ça. Il me remet dans l'espagnol. Vous avez vu la neige là-haut? Ouais, là tout en haut sur la montagne là. Ouais. Voilà, toujours au même endroit que ce matin. La barre caresse, c'est l'air de compliquer. Mais entre temps, j'étais au bureau de poste. J'ai récupéré le kiki pour le micro. Donc, on va tester tout de suite si ça marche. Il y a beaucoup moins de monde que ce matin. Hein. Il y a pas mal de monde quand même. Ah oui, c'est le week-end, on est samedi aujourd'hui. Bon, je vais aller voir chez Ambre parce qu'elle me dit qu'elle est en train de faire la couture. On va voir ce qu'elle fait. Elle est où? Elle est là. Voilà. Bon, elle fait quoi là? Madame Ambre. Elle fait quoi, Madame Ambre? J'essaie de ne pas faire trop de bêtises. Bonjour Cassie, t'as toujours ton harnais et t'es toujours traumatisée. Oh ouais. là. Oh le nouveau kiki du micro. Kiki. Eh ben dis donc, c'est un gros kiki, hein. C'est un gros kiki, c'est qu'en fait c'est pas du tout la taille que je commandais. Voilà. Donc du coup je suis obligée de rester la protection de mousse sur le micro, sinon ça tient pas du tout. Ils m'ont dit maximal diamètre 2 cm, c'est ce qui était marqué sur la description. Oui, j'ai bien pris les dimensions du micro, il fait bien 2 cm de diamètre. Mais le kiki il est beaucoup plus large. Regardez, un chat torturé, malmené. Regardez-moi ça. Le pauvre, la pauvre petite Cassie, elle a un harnais. Oh là elle là ne supporte là pas, elle me fait une vie d'enfer. Ouais, non, mais elle sort quand même maintenant, non? Tu vois ce qu'elle sort, voilà. C'est voilà. Tout. Elle se frotte à voilà, tes jambes, ouais. Elle se frotte à mes jambes, elle, voilà. Elle est traumatisée. Et moi, j'essaie de ne pas faire trop de bêtises. Et toi, tu essayes de ne pas traumatiser le tissu? Ouais, bon, c'est sûr que si je loupe, je m'en prendrai qu'à moi-même, personne va me... Bah ouais. Mais bon, non, je vais en droit contre en droit parce que là, je vais mettre des épingles, ça va être une patte de pantalon. D'accord. Voilà, et l'autre patte, elle est sur le fauteuil. Ok. Ouais, déjà. Je suis venue uniquement pour tester le kiki. T'as bien fait. Et mon seul regret, bah, comme je t'ai dit par WhatsApp, oui. C'est que, bah, de toute façon... On a vu que vous êtes très très nombreux à connaître cet endroit. Oui. Et je pense que vous pensez comme nous, c'est que c'est beau, il fait beau, c'est magnifique. C'est dommage pour le vent parce que je me serais bien installée sur les tables là-bas pour oui, coudre. Là derrière, il y a... Ah ben on ne le voit pas. Ah ben on ne les voit pas où il y a du monde. Ouais. Là. Ah il y a un petit coin là. Il y a des jolies tables, c'est très joli, tout ouais. Sympa. Et j'ai jamais eu l'occasion de m'installer sur les tables parce que chaque fois quand j'étais venue, ben là on est en janvier et la dernière fois c'était en décembre, donc tu vois. Ouais, je me suis bien installée là sur les tables, ouais. Couper ouais, le tissu. Ouais, 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 ouais. J'ai une super allonge électrique donc je peux mettre la machine à coudre. 5 mètres. Oui.
Non, puis j'ai une rallonge aussi que tu m'avais donnée, toute simple, qui est assez longue, qui est sympa. Regarde, regarde, elle est collée à mes jambes tout le temps. Tu l'as traumatisée. Attention, ouais, mais... il ne faut pas montrer ça à nos abonnés, ils vont appeler la SPA. Bon, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer le pourquoi, oui, parce que vraiment... Regarde, non mais regarde comment elle marche, quoi. Non mais... On dirait un petit chat handicapé, hein, ma cassie. Ouais. Elle marche, voilà. Elle est vite, elle est complètement... Elle est utilisée. De toute façon, tu connais déjà. Ouais. Regardez la queue. C'est bon, c'est les oreilles. Ouais, non mais... Oh là là là, elle fait quoi? Elle sait pas quoi, vraiment. Oui, parce que normalement, elle marche toujours avec la queue. Ah oui, à l'air, hein. Non, non, puis quand elle donne des coups comme ça, c'est qu'elle est bien, elle est pas contente. Et les oreilles comme ça en avant, c'est qu'elle est aux aguets, elle est... Ah, ma cassie. Oui, on expliquera pour cette torture, mon petit chat. Ouais. Je sais pas qui en est plus malade, si c'est elle ou si c'est moi, parce que ça me... Oh là là. Oh, mon petit chat. Oui. Oui, non, mais bon, dis-toi que c'est pour son bien à elle aussi. Bon, déjà, elle sort, déjà, c'est content. Parce que là, ça va, elle voulait, elle voulait rien faire. Ouais. Bon, on a bien fait, on fait bien de passer le week-end, ici, on est bien. Finalement, ouais, on a décidé de rester ici pour le week-end. Comme ça, on s'en va à couture. Avec les panneaux solaires, on peut coudre, bah, ça consomme pas beaucoup, une machine à coudre, mais bon, c'est pas grave, on, voilà, un prétexte. Mais c'est un prétexte, mais c'est qu'en fait, en plus, il y a autre chose, on est en hiver, le soleil brille beaucoup moins longtemps. Oui. Donc, les batteries se rechargent moins. Oui, moins. Mmh. Par contre, je vais répondre à une question, là, j'ai vu sur plusieurs de vos commentaires, c'est vrai que c'est compliqué pour Krissa et moi de vous faire entendre, parce que nous on a mis du temps à le comprendre. Nous n'avons pas de destination. Ça paraît complètement illogique, parce que d'habitude, quand Krissa ou moi on part en vacances, à chaque fois on a une destination, on va là, on va faire ça. Ouais. Alors que nous c'est fini. Ouais. C'est fini. Et non, on ne se dispute pas de l'endroit où on va aller, parce que Krissa, elle est libre, moi je suis libre, donc si Krissa, elle me dit, par exemple, lundi, elle doit aller à la poste, est-ce que ça me contrarie? Mais pas du tout, pas l'ombre d'une contrariété, puisque je suis libre, on s'est dit lundi, on part, on va continuer le chemin, on sait qu'on veut faire la côte espagnole, portugaise, mais on n'a pas de destination. On n'a pas de destination, non, et puis, excusez-moi, non, mais je me tournais, je tente de tourner la caméra et de me filmer Moi-même. Attends, je vais te filmer, voilà. Voilà. Voilà, c'est qu'en fait, il avait une autre question qui concernait la route, parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit, elle était étonnée qu'on est si éloignés l'une de l'autre pour la route. Parce qu'en fait, toi, tu étais déjà rendu à Nîmes, moi, j'étais encore tout en bas, là. Tout à fait. Ah oui, non, mais pour nous, c'est tout à fait normal. J'ai on fait roule. J'ai mais pas. Oui. J'arrive pas bien à On se sépare à un moment donné de la journée et on se retrouve à un moment donné de la journée sur le spot convenu. Maintenant, ça nous arrive d'arriver à un intervalle de 10, 15, 20 minutes. Sinon, on arrive à un intervalle de 2 heures, 3 heures. Des fois, ça nous arrive. Non, on ne roule pas ensemble. Alors, voilà, on ne roule pas ensemble déjà. Non. Une précision encore, c'est que des fois, Krissa, toi, tu as envie de faire des courses. Voilà, tu veux peut-être bien sûr, oui. Ou tu veux t'acheter, moi. Bon, je vais dire des bêtises, puis moi, j'ai autre chose à faire. Oui. Par exemple, là, j'ai retiré un peu de liquide parce qu'on va passer en Espagne. Oui. J'avais le gasoil. Moi, je ne sais pas si... Alors, oui, déjà... Krissa, souvent, me dit, tiens, moi, je vais le faire gasoil. Mais après, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Déjà... Excuse-moi, je te coupe. Mais là, par exemple, tu m'as dit, je me suis arrêtée une farfouille. Oui, parce que il y a une qui passait par là. Je me suis arrêtée parce que j'avais besoin d'un truc. Et puis déjà, on ne part pas au même moment. Toi, tu pars en règle générale beaucoup plus tôt que moi. On n'a pas le même rythme. Donc, le temps que je ramasse ici et ça, souvent, ça nous arrive. Si on ne fait pas des étapes trop longues, ça nous arrive quand Ambre est déjà arrivée. Moi, je ne suis même pas encore partie. Alors, voilà. D'ailleurs, hier, il s'est passé un truc rigolo.
c'est que je venais de faire mes courses à Lidl et toi t'es arrivé. Pourtant il y avait plein de Lidl sur la route, donc on avait choisi le même. Mais c'est très très rare. C'est vraiment et le hasard quoi, c'était pas fait exprès. Ouais. Nous on roule pas l'une derrière l'autre, c'est non. Invivable. Invivable. C'est insupportable. Il y en a qui c'est le font, tant mieux ouais, pour non. Eux. Non. Mais nous ça ne nous non. Convient pas. Et des fois on ne prend même pas la même route. Non, c'est même souvent des fois. Oui, hier on a pris, je crois, plus ou moins la même route, mais avant-hier, pas du tout. T'es parti après moi, moi je suis parti avant, mais je suis arrivé largement après toi. Oui, parce que moi j'avais pris l'autoroute gratuite. Ouais. Voilà. Ouais. De temps en temps, moi je prends l'autoroute gratuite, et tu la prends jamais. J'ai pris juste pour contourner, c'était quoi, Montpellier? Ouais. Oui, c'était Montpellier. C'était juste un morceau pour contourner Montpellier que j'ai pris autoroute gratuite. Sinon, toi, tu as pris des grandes routes, moi j'ai pris des toutes petites routes, vraiment, et je me suis arrêtée deux fois, donc. Mais c'est rare qu'on arrive vraiment au même moment, hein. C'est vraiment. Oui. Bon, voilà, allez. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensuite? Ben, couture. Ah, moi c'est couture. Hein. Ouais. Quand il fait jour, c'est couture. Moi je fais. Voir monsieur, là, parce qu'il a un chat. Plein de bricolages. Allez, redonne-moi ça. Attention. Ah, mais vous nous connaissez? Mais je vous adore. On peut te filmer? Oui, justement, j'ai vu. Ah On demande autorisation toujours. Oh, camping-car de Kissa. Oh, ce matin. Mais c'est un et... Oh, mon petit beau. T'as Saint-Valin. Oh, alors, je camping de Kissa. Ouais. Et puis. Et c'est comment ton prénom? Claude. Enchanté, Claude. Et je voulais vous offrir un petit présent pour la nouvelle année. Mais vous hein? Merci. Un petit truc sympa que vous allez. Attendez, attends, je vais te faire voir. Du Bergerac en plus. Oh. Oh. Moi, pas ça... grand chose, mais. Et puis. C'était, non, je vous suis depuis. Attends, je finis le cadeau. Octobre 2018, je vous suis. Ah oui. Vous étiez à Méchial. D'accord. Oui. L'année dernière, ouais. Ouais. Merci. Et alors, j'y suis allé. Bah oui. Merci. Alors, j'ai trouvé super sympa. Et puis, je vous trouve super sympa. Bah, et je vous suis. Il y a un jour encore, j'ai regardé votre vidéo, ouais. Votre dernière vidéo. Avec les histoires ouais. De clés et oui, tout ça. Ah, c'était ouais. Ben voilà oui. Cassie. Et Cassie, c'est sa première fois que je lui mets son harnais. J'essaie ouais. De l'habituer, mais c'est pas facile. Bon, par contre, elle est... C'est un léopard, ça. C'est un vrai léopard, ça. Ah, elle est un peu handicapée avec son harnais. C'est la première fois que bébé, hein. Elle a quel âge? 9 mois. Oh, la mienne a 3. Ah, oh, dis donc, toi qui passe pour le cassive. Et tu es tout seul? Bah, je dans mon camion. T'as un camion, il est où? Moi, je suis dans le Fiorec, un peu plus loin. D'accord. Ben, voyonnez, hein. Oui, ben, ça se passe comme ça. Ah, mais je vous adore. Hein. Mais bon. J'ai une voiture, bon. Ouais, j'ai compris que, bon. Mais c'était dommage. Par contre, j'adore parce que dire dans le sens où il y a beaucoup de youtubeurs qui font qui font plus de 15, 20, 30 minutes. Ah oui ouais. Et 15 minutes, moi 15, 16 minutes, ça suffit largement. Ouais. Parce que ouais. Moi, après, j'ai pas un forfait énorme. Ouais. Donc, automatiquement, ouais. Ce matin... Nous, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Ouais. Des fois, on fait des vidéos très courtes parce qu'il n'y a pas besoin. Quoi. On n'est pas obsédé par la longueur. Toi, par exemple, la vidéo que tu as regardée la dernière, je crois qu'elle fait 23 minutes. Ouais, bon, bah, c'est tombé comme ça. Ouais. Mais sinon, avec Rissa, on n'est pas obsédé par la longueur. On veut pas faire trop court parce qu'il y a des gens qui nous ont souvent dit c'est trop court, patati patata. Alors on essaie d'alterner, ouais. De faire un petit peu pour ouais, tout le monde. C'est pas évident. Hein. Non, ouais, non. Faire plaisir à tout le monde en même temps, c'est pas possible. Mais on essaie. Vous êtes superbe. Moi, ouais, je vous adore. Hein. Merci. Bonjour tout le monde. Salut. On a changé un peu d'endroit. Parce que bon, j'attends un courrier en poste restante.
qui n'est toujours pas arrivé. Donc, du coup, on a quitté l'aire de camping-car de Barcarès. Et là, on a trouvé un spot vraiment au milieu de nulle part. Bon, pas tout à fait, parce que là derrière, les bâtiments qu'on voit là derrière, ben, c'est l'armée. J'espère seulement qu'il n'y a pas trop de monde qui va prendre l'avion là pendant les deux jours qui suivent. Parce que juste entre nous ici là et les hangars là derrière, ben, à la piste d'atterrissage. Voilà, donc j'espère qu'ils ne vont pas commencer à voler à 6h demain matin, c'est tout ce que je demande. Voilà, notre nouveau chez nous éphémère pour aller 24 heures, peut-être 48 heures, on verra. Alors, si vous avez des bons yeux, vous pouvez voir Coquelicot. Et le voilà. Elle arrive tout doucement. Bon, c'est vrai, c'est pas l'autoroute ici, hein. Chemin de terre avec plein de trous. Cassée sur le tableau de bord, elle est traumatisée, mais bon, mais ici au moins elle pourrait galoper comme elle voulait. Ça y est, t'as trouvé le chemin? Non, mais au moins ici elle pourra galoper, hein? Ouais. Allez, va te garer. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce camping-car? Est-ce qu'il y a... Ah oui, bonjour mademoiselle Cassie. On a tourné autour de la maison. Oh, au moins là, elle peut trotter toute seule. Ah oui, tranquille. Là, elle peut trotter. Oh, voilà. Oh, mais c'est super. C'est chouette, hein. Alors, j'avoue, je préfère cet endroit plutôt que l'air de camping-car. Ah, hein. Non, on est bien d'accord. Ah oui. Hein. Alors, il n'y a rien. Hein. Pas de poubelle, il n'y a rien. Il n'y a absolument strictement rien. La seule chose qu'il est là, juste derrière nous, c'est le terrain militaire et nous sommes à environ 50 mètres de la piste d'atterrissage d'avion. Alors j'ai dit tout à l'heure, j'espère seulement qu'ils ne vont pas démarrer à 6h du matin. C'est pas Roissy ou Charles de Gaulle, quoi, ça va, quoi. Bon, tant qu'ils ne nous mettent pas des bombardiers, ça va. Ouais, non, mais ça. Alors en fait, c'est ce que vous voyez là, c'est Kiki. Il doit y avoir l'étiquette, voilà. Même pas les poils, carrément. Ah, ça va mieux là. Ah non, voilà. Mais j'adore cet endroit. C'est chouette, hein? Bah oui, c'est super. C'est vraiment bien. Ça va, tu nous as trouvé un superbe endroit. Bah, merci. Mais c'est vrai, c'est toi, ouais, qui l'as trouvé. Vrai, ouais. Bah oui. C'est vrai, c'est parfait. Au départ, je voulais m'arrêter à l'entrée, là où il y a la grande place. Mais bon, bah, finalement, je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, j'ai trouvé ça plus joli ici qu'au bout. Mais moi, je suis descendue de Coquelicot pour voir si ce que je pensais, et oui, j'ai vu Foxy de loin. J'ai dit, allez, s'il y a Foxy, c'est bon. Ouais, non, mais en plus, je t'avais vu déjà sur la grande route, là. Ah, d'accord. Je t'avais passé sur la grande route, déjà. Et ensuite, je t'ai vu arriver et je t'ai envoyé un WhatsApp. Hein. T'as pas eu. Avec la photo? Non, après la photo. Ah non, j'ai là, pas... Quand tu étais carré là. Non, tu sais bien qu'on habite l'une à l'autre. On est à bout du monde, donc ça met au moins... Hein. Au moins une heure. Non. Non, non, mais c'est super, j'adore. Ouais, ouais. J'adore en fait, cet endroit. C'est hyper calme. Vraiment... dit-elle alors qu'elle vient de parler des avions militaires. Bah, écoutez, pour le moment, je n'ai pas encore vu ni entendu. Oh. Espérons que les militaires soient en vacances. Non, mais ça bien, va. C'est vraiment très bien. Non, mais je suis contente parce que Cassie, bon, la pauvre,
alerte camping-car, je sais pas si t'as dit, monsieur voulait qu'on attache tout le monde. Ouais, non, je sais pas. Elle était malheureuse, déjà qu'elle a son harnais, donc là, ça va. Et là, en plus, elle est un peu traumatisée. Bah, là, ça commence à aller mieux avec son harnais. Ouais, ça va un petit peu mieux, oui. Elle a réussi à tomber, à sauter sur le tableau de bord quand même. Alors, c'est ce qu'on voit là, tout au fond, là, tout derrière, là, c'est Barcarès. Bon, on est bien ici. Tu fais quoi là? Elle renifle les poubelles. C'est nouveau ça. Tu renifles les poubelles maintenant. Bon sang. Bonjour. Bon, c'est vrai que c'est pas super, mais bon. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est plat. Il n'y a pas de montagne qui gâche la vue. Ah ouais, j'allais marcher là-bas moi. J'allais marcher là-bas. À la plage. À la plage, mais je suis déjà allée, Domino. Oh bon ça, j'imagine. Ben oui, c'est un petit moment là aussi. Ouais. Boulot quand même. C'est très bien.